crapaud, un soupçon de gelée d'escargot et quelques zestes de verrues de sorcière et tadam. Bienvenue dans Fraîche, l'émission qui aime les vampires, les zombies et même les araignées. Cette semaine, c'est Halloween, alors à vos balais, il y a de la citrouille au menu. Dans Fraîche Ciné, vous allez avoir les chocottes avec le film Chair de poule 2. Dans Fraîche Lecture, le coffret T-Zombie va vous faire marrer avec des morts-vivants. Dans Fraîche News, oulala, on va vous gâter avec des épisodes inédits version citrouille. Et dans Fraîche Découverte, direction un parc d'attractions qui va vous donner la frousse. On va voir si vous n'êtes pas trop trouillard dans un instant. Et volons vers une émission d'exception. Allez Jean-Pierre le squelette, cap vers le Fraîche d'Halloween. Ne soyez pas mort de peur. Fraîche, c'est parti. Salut les enfants. Waouh, vous avez mis le paquet là. C'est un peu trop. Non. Ouais. Couchez, Greg. Attention les fraîches notes, le tout nouveau film Chair de poule est sorti et fait super peur. Cette année, à l'occasion d'Halloween, des événements étranges vont arriver dans la vie de Sonny et Sam. Des phénomènes mystérieux se sont déroulés récemment à Madison, dans le Delaware. La ville a été envahie par les créatures des manuscrits originaux de R.L. Stein. Le livre. Quel livre? C'est un chair de poule. Il y a une serrure. C'est pas vrai. Eh oui, c'est terrible! Les monstres des livres se sont enfuis! Nos héros vont devoir les combattre pour les renvoyer dans leurs univers. Attendez une minute. On est en train de vivre une aventure de chair de poule, là? Il paraît que c'est à hurler de rire. Les monstres d'Halloween sont vivants! Ouais, c'est trop cool. C'est vraiment ma fête préférée. Entourés de leurs amis et voisins, Sam et Sonny vont devoir redoubler de courage pour affronter les monstres les plus terrifiants de la saga, comme des sorcières ou le pantin maléfique. Avec Chair de poule 2, les fantômes d'Halloween, la frayeur est au cinéma depuis le 24 octobre. Oh, c'est des petits nounours. Qu'est-ce qu'ils pourraient nous faire? Regarde comme ils sont mignons. Qui dit Halloween dit BD sur les morts-vivants. Et ce coffret exceptionnel sorti cette semaine est composé de 2 tomes qui va vous faire découvrir ou redécouvrir le quotidien de T-Zombie. Un zombie mignon mais qui a tout le temps faim. Et oui, en bon zombie, il aime grignoter des humains. Brrr. Margotique, une jeune fille un peu bizarre, va faire sa rencontre et celle de tous ses amis. Et contre toute attente, elle va devenir copine avec eux. Vous découvrirez des BD où chaque page se compose d'un gag avec tous ces personnages complètement foufou. Vous allez en être complètement mordu. Vous avez compris? Complètement mordu. Bon, pour dévorer cette BD qui va vous faire rigoler avec des zombies qui sont quand même gentils, le coffret T-Zombie est sorti cette semaine. Qui c'est qui va être gâté pour la Halloween party sur Nickelodeon? Mais oui, c'est vous les fraîches notes, car depuis le lundi 22 octobre à 9h35, vous pouvez voir les meilleurs épisodes de vos séries préférées. Les Thunderman, Mes parrains sont magiques, Bob l'éponge, ils seront tous au rendez-vous pour la plus flippante des semaines. Vous aurez même le droit à un épisode inédit de Bienvenue chez les Louds, où tout le monde va avoir sa petite stratégie pour récolter le plus de bonbons possible. Ah, ils sont malins ces Louds, mais attention aux caries. Et bonus, le 31 octobre, c'est carrément un marathon qui vous attend pour que vous puissiez avoir peur avec tous vos amis. Alors les vacances pour avoir la frousse, c'est devant la Halloween Party sur Nickelodeon, bien sûr. Venez avec nous, les amis, on vous emmène dans un lieu terrifiant. Une fête foraine abandonnée, une atmosphère hantée, des monstres et des fantômes. Mais dans quel endroit maudit êtes-vous venu mettre les pieds? Mais dans le parc Astérix, pardi. Et va y en avoir pour tout le monde. Les petits et les grands Gaulois auront le choix. Petit frisson, frayeur modérée ou grosse terreur, selon votre âge, tout est possible. En plus, le parc ouvrira ses portes dans 4 nocturnes maléfiques le 31 octobre, mais aussi le 1er, le 2 et le 3 novembre de 19h à 1h du matin. Alors pour vous amuser et frissonner avec tout un tas de monstres, dans des activités inédites et des attractions renversantes, rendez-vous au parc Astérix. Oh non, Fraîche, c'est déjà fini. Allez, on va creuser notre citrouille en lanterne et on vous souhaite à tous un bon Halloween. À la prochaine, ciao.
en exclusivité sur Canal et Numéricable.